Bonjour à tous, bienvenue sur Phonetics, l'émission qui vous apprend à parler correctement en anglais. La dernière fois, souvenez-vous, on s'était demandé pourquoi les A dans Kate et dans Cat ne se prononcent pas de la même façon. On avait vu, du coup, que l'un était relâché et que l'autre était tendu. Et que, par défaut, une voyelle était relâchée comme dans Cat. Mais alors du coup, qu'est-ce qui justifie la prononciation de Kate ? On avait vu qu'il y avait des contextes de tension dans lesquels la voyelle ne sera pas relâchée mais tendue. Aujourd'hui, nous allons voir quels sont ces contextes de tension. Donc oui, par défaut, une voyelle est forcément relâchée. Ça, c'est la règle numéro 1. Mais aujourd'hui, on va voir la règle numéro 2 et bien d'autres. It might be true that there are 6 billion people in the world and counting. In a sense, it's like nevertheless, what you do makes a difference. Donc oui, une voyelle est forcément relâchée, sauf si on est en présence d'un contexte de tension. Aujourd'hui, on va voir les contextes de tension et du coup, tous les contextes qui font qu'une voyelle sera forcément tendue plutôt que relâchée. Règle numéro 2. Une voyelle relâchée devient tendue lorsqu'elle est suivie d'une consonne et d'une voyelle graphique en fin de mot. Oui, ce machin-là, c'est pas un hashtag, c'est une dièse. Ça signifie en phonétique qu'on est en fin de mot. Et du coup, ça va donner des mots du genre made, lazy, cane, flame, name. Cane. Merci à Céline et Thibaut pour leur participation avec une excellente prononciation du mot cane, en évitant bien sûr de tomber dans le piège de suivre ce que j'ai dit dans ma précédente vidéo. Car ici, en effet, le A n'est pas relâché et se prononce bien hey, du fait d'être dans un contexte de tension. Steve, theme, scene. White, right, tiny. No white flag above my door. Note, coke, soda. Duke, muse, tuna. Attention à une petite exception pour les mots suivants qui garderont une voyelle relâchée. Have, give, leave, gone, shone, recipe, body, city, copy, levy, manifold, marigold, pity, privy, study, very. Règle numéro 3. Une voyelle relâchée devient tendue lorsque suivie d'une consonne, un L ou un R, et d'un E muet en fin de mot. Parce que oui, un L ou un R, en fait, ça compte pas vraiment comme une consonne. Et du coup, ça va nous donner les mots able, acre, able, able. Nous voici avec deux prononciations du mot able par Léo et Sébastien. Le gros piège ici, c'était de suivre les instructions de la précédente vidéo et de prononcer les A de manière relâchée. Ce qu'a fait Léo. Cependant, il fallait se méfier car, en effet, le A dans able sera tendu. Ainsi, Sébastien a sans doute flairé le piège et a tenté de faire une voyelle tendue assez proche de l'anglais en prononçant able au lieu de able, ce qui passe quand même plutôt bien. Meter, title, fiber, noble, ochre. John a Noble has left the library. John a Noble has been saved. Et pour cette règle-ci, ça va, on n'a pas trop d'exceptions, j'en ai pas des masses en tête. Règle numéro 4. Une voyelle relâchée devient tendue lorsque suivie ou non d'un E graphique muet en fin de mot. C'est là, entre autres, qu'on retrouvera nos lettres de l'alphabet, qui ne sont pas suivies d'un E graphique muet. On y retrouvera donc bray, may, ou encore le mot grammatical a, lorsqu'il est accentué. He, she, we, I, my, die, so, no, to, hello. To. To. Ici, nous retrouvons deux prononciations du mot « toe » par Céline et Thibaut. Notre oreille a du mal à percevoir et donc, nous avons du mal à produire le « o » tendu, comme dans « toe ». Car nous avons trop souvent tendance à nous laisser distraire par la prononciation du « o » en français comme nous le montre Céline. En revanche, Thibaut, lui, fait une prononciation plus correcte qui ressemble vraiment à ce qu'un anglais pourrait dire. Hello. Q, du. Attention à quelques exceptions où le O sera prononcé OU, comme par exemple dans CHU ou encore CNU. Règle numéro 5. Une voyelle relâchée devient tendue lorsqu'elle est suivie d'une consonne, du son I ou du son E, ainsi que d'une voyelle et d'une consonne. Et là, normalement, ça devrait vous rappeler la règle numéro 3 du placement de l'accent dans le mot, avec les terminaisons en ION, rappelez-vous, où on avait dit que l'accent sera porté par la syllabe qui précède la terminaison en ION. Et là, au final, on retrouve à peu près la même chose. Tout ce qui est terminaison en TION, par exemple, vont avoir tendance à tendre la voyelle qui les précède. On retrouve donc ça dans Nation, Racial, Radiant. Nation,
Bat. Nation. Bat. Merci à Thibaut et Léo de leur participation et notons leur excellente prononciation de bat. Il est vrai qu'en général, les Français se débrouillent relativement bien avec la prononciation des voyelles relâchées, car celles-ci sont proches des voyelles qu'ils utilisent couramment. Mais qu'en est-il des voyelles tendues ? Ici, on retrouve deux prononciations différentes. D'une part, Thibaut prononce nation, tandis que Léo, lui, prononce nash. Léo, lui, ne fait pas de distinction entre une voyelle tendue et une voyelle relâchée, ce qui est bien normal, rappelons-le. Donc, il se rabat sur une prononciation relâchée, qu'il connaît mieux puisqu'il l'utilise dans le français. Quant à Thibaut, lui, il tente de faire une prononciation tendue. Sans doute a-t-il entendu que le A de nation ne se prononçait pas A. Donc, il a prononcé un E. Mais ne t'en fais pas, Thibaut, puisqu'au final, ta prononciation est assez proche de l'anglais, comme on peut l'entendre ici avec Green Day, qui prononce très peu le I. Region, Junior, Senior. En revanche, ça ne fonctionne pas pour les I. Sinon, ce serait un peu trop facile. En témoigne Trivial ou encore Initial. Notion, Social, Utopia, Union, Junior, Enthusiast. Attention aussi, cette règle ne fonctionne évidemment pas s'il y a plusieurs consonnes qui séparent la voyelle de la terminaison. Sauf si bien sûr c'est un L ou un R, puisque un L ou un R ne compte jamais. Ça donnera donc inebriate dans le cas du R qui ne bloque rien, mais par contre on retrouvera infection où C et T bloquent la tension. Règle numéro 6, une voyelle accentuée devient tendue si suivie d'une voyelle. Et là, on va retrouver des mots comme a cake, mosaic, prosaic, Leo, neon, museum, video. Giant, riotous, society, poet, coitus, stoic, fluent, duo, ruin. Et avec ça, une seule exception, une seule, le prénom Ian. Règle numéro 7, spéciale dédicace pour la graphie U. La voyelle U sera tendue si elle est suivie d'une syllabe accentuée ou non. Et on y retrouve donc des mots comme music, lunar, cube. Cube, mode. Cube. Mude. Alors ici, nous avons une très bonne prononciation de Céline et Sébastien pour le mot cube, dont la voyelle est tendue car elle est en contexte de tension puisqu'elle est suivie d'une consonne et d'un E muet en fin de mot. Cependant, on peut remarquer quand même que Sébastien ne fait pas de différence entre les U de cube et de mud, ce qui paraît logique car après tout, une lettre devrait pouvoir être prononcée de la même manière dans deux mots différents. Mais ici, comme on a vu dans la précédente vidéo, le U de mud est relâché car il n'est pas dans un contexte de tension. Et j'en profite aussi pour dire 2-3 choses concernant la prononciation du U. Alors oui, je sais, je vous ai dit que pour une voyelle graphique, on allait avoir une prononciation tendue et pas plus. Cependant, petite exception concernant le U, où on en a deux, et tout ça parce que ça va dépendre du son qui précède le U. On va prononcer U lorsque le U suit un R, un CH, un J, ou encore une consonne suivie d'un L. Par exemple, Prudence, June, Pluto. En revanche, on peut choisir de le prononcer U ou U lorsqu'il suit un L. Par exemple, Lunar, Lucid et Lumin. Et on préférera le prononcer U dans tous les autres cas. D'ailleurs, cette règle s'applique aussi pour les graphies EU et UI. Aussi, lorsque la première lettre d'un mot est un U et que ce U est en contexte de tension, alors il se prononcera U, comme par exemple dans University. Voilà, j'espère maintenant que vous aurez compris pourquoi il y a une différence de prononciation entre les A de cat et gate. Le premier parce qu'il est par défaut prononcé relâché, et le deuxième parce que le A est en contexte de tension du fait d'être suivi d'une consonne et d'un E en fin de mot. Comme précédemment, vous pouvez toujours m'envoyer vos fichiers audio à l'adresse qui s'affiche ci-dessous et dans la description en prononçant les mots suivants. Je les attends avec impatience, croyez-moi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez toujours mettre un pouce vers le haut. Si c'est pas le cas, alors je ne vous aime plus. Vous pouvez aussi partager cette vidéo sur les réseaux sociaux ou encore vous abonner. En attendant, je vous dis à une prochaine fois pour voir comment parler anglais correctement, même si tout le monde ne parle pas comme ça et que ça dépend de la région, de la classe sociale et de plein d'autres trucs.